Nous ne serons jamais des esclaves. Voilà, donc on va recommencer la vidéo pour la 50e fois, mais c'est pas grave. Allez, on se prépare. Oula, c'était frais ça. Allez, 3, 2, 1. Et bien, salut à tous et à toutes, c'est Alex93, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment bien, à part que ça fait genre 50 000 fois que je suis en train de recommencer ce tutoriel parce que mon PC arrête pas de lâcher. Mais là, je suis confiant, je pars sur le bon pied, et là, je pense que ben ça va fonctionner. Donc, excusez-moi de faire ceci, mais c'est pour que le tout fonctionne. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment jouer gratuitement à World of Warcraft, Warlords of Draenor. Bon, donc, ça passera bien évidemment par le biais d'un serveur privé qui sera le serveur Ashran. Donc je vous le montre tout de suite, c'est celui-ci. Il faut savoir que le serveur Ashran, donc qui est sorti à l'heure où je vous parle il y a 3 jours, enfin il est sorti il y a une semaine, mais il a permis aux joueurs de jouer à World of Draenor, donc à la version 6.0.3, uniquement il y a 3 jours, donc c'était ce jeudi. Donc voilà, il faut savoir que c'est le premier serveur et unique serveur au monde à accueillir 4 royaumes, les 4 seuls et uniques royaumes qui vous permettent de jouer donc à la version 6.0.3. Il y a donc le serveur international Gros Mâche, le serveur français Main Noire, le serveur espagnol Sombra Luna et le serveur russe, excusez-moi, Tral. On voit juste la différence entre les deux, mais c'est pas grave. Alors que de ce côté-là, ça se passe bien, bref. Donc, il faut savoir qu'il y a deux méthodes de crack, on va dire, pour ce tutoriel. Je vais vous présenter les deux. Je vais bien évidemment faire celle que je recommande le plus dans un premier temps, et dans un second temps, je ferai celle que je recommande le moins, et je ne la finirai même pas, puisque ça comporte énormément de bugs, ça plante, etc. Mais ça fonctionne. Avec le temps, ça fonctionne. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure.